on that hot shit. Looking for a biddy on that shit. My own shit. I don't need 50 niggas to roll with. Full shit. I'm on my dolly, I'm on my bullshit. Salut à toutes et à tous, bienvenue, vous regardez Riding Zone, votre rendez-vous hebdomadaire consacré aux sports extrêmes et à la culture glisse. Aujourd'hui, je suis à Lax, la station suisse-allemande est considérée comme la première station freestyle d'Europe, avec 4 snowparks magnifiques, un halfpipe parfaitement shapé et une académie freestyle. Je vous propose qu'on y passe toute l'émission, voici le sommaire. Dans notre reportage en immersion de la semaine, nous partirons direction la Clusaz en Haute-Savoie. Cette célèbre station a ouvert une formation consacrée au freestyle pour les enfants dès l'âge de 8 ans. Vous découvrirez également notre sélection des 5 meilleurs tricks de la semaine ainsi que le nouveau défi qu'on a lancé à nos copains riders. Riding Zone, c'est parti! On décolle tout de suite avec les images les plus drôles et les plus insolites du net. Place aux zappings. En immersion, je vous emmène à La Clusaz, en Haute-Savoie. La station a vu naître et grandir des légendes du ski traditionnel, mais aussi du freestyle, comme Candide Tovex et Edgar Gros-Piron. À La Clusaz, le freestyle est une véritable passion. Dès l'âge de 8 ans, les enfants peuvent choisir cette discipline à temps plein au club des sports. Rencontre avec ces bouts de choux volants qui partent 4 fois par semaine, ski au pied, à l'école du freestyle. La Clusaz, une station de ski au cœur des Alpes. Un village d'apparence tranquille qui vibre depuis des années au rythme du ski freestyle. Et ce petit coin magique de Haute-Savoie a comme particularité d'être le berceau des plus grands champions. Bon, bah, les devoirs, c'est fini, on change d'école. César a tout juste 9 ans. Le mercredi matin, il n'a pas école. Alors, après une petite révision, il change complètement de discipline. Allez, c'est parti pour le montant. Une fois sa tenue du club freestyle enfilée, il est rejoint par son pote Matteo pour filer à l'un de ses 3 entraînements de ski hebdomadaires.
César et Matteo ont été sélectionnés à l'âge de 8 ans pour intégrer la section freestyle du Club des Sports. Un club mythique dans lequel ils suivent un vrai processus de formation. Le Club des Sports, c'est un centre de formation. Je le répète régulièrement aux parents. On n'est pas dans une école de ski, c'est pas à partir du moment où c'est inscrit, c'est pas quelque chose qui est libre, c'est un centre de formation. On a aligné quand même 4 champions de la Clusaz aux Olympiques de Pyeongchang et tous venaient du freestyle. Mirabel Tovex, Anaïs Caradeux, Benoît Buratti et la petite Carava. Détectés dès l'âge de 5 ans, les enfants enchaînent avec 2 ans de ski alpin classique. Ensuite, les meilleurs peuvent intégrer le groupe des futurs compétiteurs freestyle, avec un encadrement de haut niveau, comme David Bonneville, par exemple, un ex du Tour mondial. Nous, on leur fait pas non plus faire que du freestyle, on leur fait faire énormément de ski technique, donc de piste, du ski de boss, parce que c'est, certes c'est du freestyle, mais c'est hyper technique. Rabat de la poudreuse, but du jeu pour les tout jeunes, c'est de les faire skier, et après de leur faire faire du freestyle. Ils ont pas beaucoup d'appréhension, on les met vachement en confiance, même eux, du coup, ils ont vraiment bien confiance en eux et au final, ils n'ont pas vraiment d'appréhension. Pas autant d'appréhension qu'on va dire quelqu'un qui aurait déjà 14 ans et qui on demanderait de faire les mêmes figures. Du coup, là, ça coule tout seul, ça va tout seul, c'est bien. Les plus jeunes, âgés de 8 à 10 ans, ont leur terrain d'apprentissage, le Family Run. Un snowpark avec des modules adaptés pour une progression rapide en toute sécurité. Mais n'est pas Superman qui veut, alors ces séances d'échauffement obligatoires avant d'envoyer les premières rotations. Ici, on apprend le slopestyle. Une discipline technique qui consiste à envoyer des figures sur une descente parsemée de tables et de rails. Et tous les trois, c'était pas trop mal. Par contre, vous attendez pas, c'est le bout du kick. Vous êtes trop tôt. Toi Mathis, du coup, t'as vu, ça te fait décaler et partir en avant à chaque fois. Donc attends bien le bout du kick pour faire ton 3-6. Ça marche ? On se lâche en fait dans ce ski freestyle. On fait ce qu'on veut, on est libre. C'est un peu ça. Moi, ce qui m'amuse, c'est quand on va hors de piste, quand on fait des figures, quand on peut faire ce qu'on veut, quand on progresse. Parce que quand on est tout seul, on peut pas trop progresser. Il y a juste nos parents qui peuvent nous dire 2-3 trucs, mais on va vraiment progresser. À 9 ans, ces kids sont déjà bercés par les vidéos de leurs idoles. Avec en ligne de mire les JO, car depuis 2014, le slopestyle est devenu discipline olympique. Moi, j'avais envie d'être champion de freestyle. Alors, c'est qui tes idoles? C'est qui tes champions de freestyle que t'aimes bien, du coup? Henry Carlo, Tanner Hall, Phil Kazavi. Dans cette école, l'ambiance et la notion de groupe sont fondamentales malgré l'esprit de compétition. On n'apprend pas que le ski aussi l'été, on fait des bivouacs et je m'en souviens qu'on est monté par là-haut et avec Antoine et on a récolté de l'arnica et ensuite on a fait de la pommade et tout, comme par exemple à l'herba quand on se fait mal. Il y a des champs de consou, ils nous apprennent plein de trucs. Moi, sans le club, j'aurais pas connu certaines plantes. La Clusaz chouchoute ses petits champions. Au cœur de la station, l'un des plus gros airbags d'Europe leur permet de travailler leur aisance dans les airs. Petit retour en arrière, nous sommes au milieu de l'automne, alors que la neige ne recouvre pas encore le domaine skiable. On retrouve nos jeunes riders pour l'entraînement. Banal pour eux, mais surprenant pour les novices. On s'équipe comme pour aller au snowpark, mais par 15 degrés et sans neige, évidemment. Direction le fameux airbag, le coussin gonflable géant qui permet de développer ses figures en dehors de l'hiver. Attends Merlin, il y a du vent là. Garde bien chez papa d'abord. Garde pas les airbags. Et essaye de baisser un peu les fesses, Mathis. T'étais tout raide. Mets-toi bien là. Ça, tu vas pouvoir faire une grosse poussée de cheval après. Puis là, on se mettra un fly. Enfin, quand tu veux, Mathis. Chaud. Le big boss de la section freestyle et artisan de l'airbag, c'est Antoine Rachel, surnommé Chouka. Et il fait 25 mètres de long par 15 mètres de large. On va dire que c'est un des plus gros airbags plats au monde. Et après, c'est un très bon outil pour nous.
pour dégrossir tout le travail l'été sur les rotations, les sauts des accès, permettre d'envoyer ça plein de fois sur un plastique et quoi sur de la bâche plastique et après bah, pouvoir faire les fous sur la neige sans trop prendre de risques. Aujourd'hui, de toute façon, sur les pistes, à partir du moment où un enfant il voit sauter des gens, il est plus attiré par ça que de faire réellement des virages. Et bon, nous, on met l'accent à fond sur le ski aussi, mais le but, c'est de s'amuser avec eux, quoi. À cet âge-là, c'est d'apprendre à skier tout en s'amusant, apprendre à sauter tout en s'amusant, en contrôlant les risques, parce que c'est important de contrôler cette partie-là. Et ça fait après, ça amène une bonne base et sans doute des futurs compétiteurs derrière. Mathéo, il était très bien ton 3-6. Par contre, le grab, on a dit, ici, comme ça. Et pas là. D'accord? Sinon, après, elle va oublier les pieds. Hein. Qu'est-ce que tu voulais faire? Un 3-6 tail. Tu veux faire un 3-6 tail? Fais-moi un 3-6 tail. Par contre, c'est pareil. Hein. 3-6 tail. Là. Ça. On veut pas. Pour les parents, c'est une petite révolution. Parallèlement à l'école primaire, les kids pratiquent donc tout au long de l'année et en toute saison le ski freestyle. C'est jeune et moi le mien, donc il a commencé il y a 2 ans. Donc il avait 8 ans. Il faisait partie des tout petits en fait à être pris. C'est Chou qui s'est décidé à prendre des tout petits, donc c'est une vraie nouveauté pour lui. Mais c'est vrai qu'avec notamment l'effet Candide et puis. L'appétence pour le ski freestyle depuis quelques années chez des tout jeunes et des très très jeunes, mais on voyait des tout petits naître dans le snowpark et évoluer de façon naturelle. Et puis je pense qu'à la Clusa, c'est un petit réservoir. Et je pense que ce petit vivier, il était intéressant pour le club dans la mesure où Chouk savait qu'il allait pouvoir travailler avec eux et ne pas les laisser explorer des versants qui les mèneraient vers nulle part. Alors que là, ça permettait de les conditionner, de les préparer justement à cette future discipline dans des bonnes conditions. Nos jeunes riders ont tellement le freestyle dans le sang que pour l'anniversaire de leur copain Titouan, la fête bat son plein en mode freestyle et bac à mousse. Ou comment allier plaisir et performance. Et là, ils peuvent vraiment se lâcher sans risque sous le regard amusé des parents. Bah, c'est bien d'aller au trampo avec les copains, surtout qu'on peut s'entraîner, surtout qu'il y a des bacs à mousse, donc on peut s'entraîner à faire les tricks. Retour sur les skis et rencontre au hasard d'une piste d'entraînement avec une des légendes de la station, Edgar Gropiron, le champion olympique de ski de bosse à Albertville en 1992. J'avais 12 ans aujourd'hui, je ferais comme vous, je pense, du slope. Du slope et du pipe. Mais du pipe, il n'y en a pas beaucoup. Le slope, c'est bien. Voilà. Et peut-être du ski cross. Est-ce que j'aime bien ce côté course à plusieurs. Écoutez pas mes conseils parce que vous êtes déjà meilleur que moi à votre âge que je l'étais quand j'étais champion olympique. Vous avez vu skier, c'est déjà le niveau aujourd'hui est déjà vachement supérieur à ce que je faisais. Vous faites des sopères. Ouais. Hein? Bah tu vois. Moi champion olympique, je faisais même pas de sopères. Je les faisais quand il n'y avait pas de course. Mais le niveau aujourd'hui il est exceptionnel, donc c'est super. Je comprends absolument rien à ce qu'ils font. Les sauts, les trucs, ils sont dans tous les sens, ils font des... Regarde, hop, et voilà, regarde, je comprends absolument rien. Et en plus, ils ont des noms pour nommer leur figure, je comprends rien du tout. Comme quoi, mais bon, vous me pardonnerez, ça fait 28 ans hein, que j'ai arrêté. La Clusa, c'est la fabrique de champions. Edgar Gropiron donc, mais aussi Candide Tovex ou encore Loïc Colomb-Paton. Mais pour atteindre le niveau de ces légendes, le chemin est encore long et périlleux.
en tant que papa, voilà, il y a toujours le petit pincement quand on les voit s'élancer sur des choses, enfin des éléments et des modules qui paraissent démesurés. Cependant, aujourd'hui, justement, l'idée, c'est pas de les envoyer au casse-pipe et de les fracasser, mais c'est vraiment de les préparer physiquement. Et là, voilà, je peux parler en tant que professionnel de santé. Il y a une vraie préparation du corps, une vraie préparation physique, une approche globale des modules qui leur permet eh bien, de les dompter, de les apprivoiser, pas forcément en toute sécurité, mais en tout cas en appréhendant ce risque, ce qui leur permet de bien gérer à la fois la discipline et de peu se casser. Dans ce centre de formation, on retrouve Fabien Cattaneo, ancien membre de l'équipe de France de ski de boss et premier entraîneur de la légende, Candide Tovex. Avec lui, c'est sûr, les Bleuets vont décoller. Nous, c'était donc une volonté de notre part, en fait, de les prendre plus jeunes, en fait, dans le sens où on se rendait compte que en les prenant, enfin, le niveau en fait n'arrête pas d'augmenter, et en les prenant un peu tard, souvent, on avait du mal à les remettre un peu de la manière dont on voulait. Et en fait, en les prenant tôt, on arrive en travaillant bien sûr forcément beaucoup de ski, pas que de l'acrobatie, hein, bien sûr. Là, on arrive à vraiment les entre guillemets les formater, bien que j'aime pas ce mot-là, mais les mettre en place correctement pour qu'ils aient les bonnes aptitudes pour le freestyle. Entraîneur, shaper ou encore responsable du snowpark, tout l'encadrement travaille pour former cette jeune relève. Des grands noms qui sont passés, Candide Tovex, Louis Colompaton, et puis il y a toute la nouvelle génération qui est en train d'arriver. Et c'est vrai qu'il y a, avec certaines parties du domaine comme Balme, ou comme on a le champ de boss au Cré du Loup, ou le snowpark, etc., c'est vrai qu'on a des prédispositions naturelles pour pouvoir former des jeunes. Et il y a une réelle énergie autour du freestyle dans la station. Il n'y a qu'à voir à l'œuvre le jeune Titouan. Il envoie carrément un 900, soit 2,5 tours, lors de son premier entraînement sur le grand snowpark. On a des accords avec les écoles, justement, très tôt, pour pouvoir laisser les jeunes s'entraîner ou participer à des compétitions sans que l'école vienne les pénaliser. Et c'est tout organisé autour de tout ça. Et ça, c'est, je pense, c'est ce qu'il faut qu'on garde aussi dans notre affaire, c'est qu'une année complète, c'est du sport, c'est aussi de l'école. Et que l'école s'adapte au sport, c'est aussi une très bonne façon de permettre à ces jeunes de s'épanouir. Nos petits bleus ont de l'avenir, c'est sûr. Mais d'ores et déjà, Sacha, Matteo, César, Titouan, Matisse et les autres glissent avec style dans leur école de ski freestyle. Une école de petits champions, mais aussi et surtout, une école de la vie. Première session sur les skis pour moi de la saison et c'est pas vraiment gagné, c'est pas aujourd'hui que je vais vous semer. Cela dit, dans Riding Zone, on vous présente toutes les semaines notre sélection des 5 meilleurs tricks de la semaine et ça envoie. Allez, à tout de suite. En cinquième position, c'est l'espagnol Aniol Serrasolces qui serpente au creux des rapides chiliennes jusqu'à nous envoyer un somptueux cobra flip. Une figure à la morsure fatale si elle n'est pas replaquée correctement. Aniol, lui, avait l'antidote. Et on continue avec Clément Calais, chevauchant son pit bike. Une mini-moto qui a tout d'une grande. Les crampons, les gaz et l'envol vers ce tail whip parfaitement exécuté. Et pour cette world first, il est quatrième. Andrea Serrand, c'est le genre de gars à rentrer des doubles rien qu'à l'échauffement. Et c'est après que ça chauffe, ça bouillonne même avec ce triple backflip. Bref, une entrée fracassante d'un abonné dans le classement. Aurélien Giraud, lui, est un habitué des 5 tricks. Il faut dire qu'il en a rentré un paquet. Le dernier en date, soyez patient, il arrive. Allez, encore un essai. Et voilà, un monstrueux backside 360 kickflip. Il est deuxième et c'est bien mérité. Et on vous a gardé le meilleur pour la fin. J2A en BMX nous sort un trick stratosphérique tout en douceur et en finesse
Allez, je me lance. C'est un nothing, front bike flip to tail whip. Plus facile à dire qu'à faire, c'est clair. La station de Lax compte 220 km de pistes. Si un jour vous avez la chance de passer par ici, il y a de quoi s'amuser. En parlant de s'amuser, il y en a d'autres qui s'éclatent, ce sont nos riders. Chaque semaine dans Riding Zone, on leur lance un défi. Voici ce que ça donne aujourd'hui. Cette semaine, direction Antibes, dans le sud de la France, où l'on retrouve deux membres de la team Infinity Street. Salut, c'est John Langlois. Et moi, Théo Colomb. La discipline, c'est le street trial. Aujourd'hui, Riding Zone nous a demandé de relever un défi. Allez, c'est parti. Pour relever ce défi, nos deux trialistes doivent se munir d'un skate et sortir les outils. Première étape, faire un trou dans le skate. Voilà, le trou est fait. Deuxième étape, on va installer les roues. Mais pourquoi faire, me direz-vous? Eh bien, tout simplement pour que le pneu arrière de leur vélo vienne se caler dedans. Car sinon, impossible de relever ce défi, qui consiste donc à faire un manual en vélo sur un skate. Ça y est, on vient juste de terminer la préparation du skate. Maintenant, direction le spot, c'est parti. Original sur le papier, mais est-ce réalisable sur le terrain? Un défi carte postale avec la Méditerranée en toile de fond. C'est ici à Antibes que John et Théo s'entraînent la plupart du temps. Dans un premier temps, il faut trouver le bon spot. Ce sera ici, entre deux sets de trois marches, histoire de tomber dans le skate plus facilement. Bon allez, c'est parti. Premier essai, on n'est pas avantagé. Il y a encore un peu de vent. Ça nous met un petit défi en plus. C'est John qui commence et qui va devoir trouver la parade. Bon, du coup, premier essai, un peu foiré. Il va falloir du temps et de la patience. Allez, go! Théo passe après, mais bute lui aussi. Allez, dixième essai pour John. On va voir ce que ça donne. Au bout de la dixième tentative, John arrive enfin à rouler sur le skate, mais ne parvient pas à rejoindre l'autre bord. On commence à ressentir un peu plus le truc. On va essayer, on verra ce que ça donne. Ils ont dépassé les 50 essais à eux deux, ils sont toujours motivés, mais ça ne passe toujours pas. Pas mal, non? Bon, je pense qu'on peut pas se rendre compte de la difficulté du défi. C'est vraiment super compliqué sur une longue distance comme ça avec les marches en bas. Du coup, on va aller sur le spot qui est juste là-bas. C'est une route en fait avec un autre trottoir en face. Allez là! Ce nouveau spot a l'air un peu plus adapté à en croire nos trialistes. Quelques essais déjà passés ici. On sent déjà que c'est un peu mieux. C'est pas mal ressenti quand on descend les marches et quand on fait directement sur le trottoir. Et ça va le faire. Sachant que Théo est prêt, pas lâcher. Bon, c'est peut-être pas un défi qui est super visuel à voir niveau performance, mais techniquement c'est ultra chaud. Du coup, on va encore refaire quelques essais, puis on va voir ce que ça donne. On approche les 100 tentatives cumulées quand soudain... J'étais... Traversée réussie, mais replaquage raté. Mais après 6 heures d'effort, John valide enfin le défi. Un world first signé Infinity Street. Putain, enfin, franchement... Bien joué, mec. Ouais, je pensais pas que c'était un défi aussi dur. Franchement, je pensais que ça allait être un peu plus simple. Donc je suis assez content quand même. Théo, lui, est bon joueur. Il repart avec les honneurs et avec la manière. Hop là! C'est déjà terminé. Oui, je sais que l'émission passe beaucoup trop vite, c'est pour cela qu'il ne faut en manquer aucune. Pour revoir ce super numéro, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux. On partagera d'ailleurs avec vous l'actualité de la glisse en continu. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures extrêmes. Bon ride à tous. Ciao.